Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kingdom Reborn. Alors... Pardon. Oui, il y a quelques compagnies commerciales qui sont en cours de construction, quoi. Il y a un quartier entier de compagnies commerciales. Je vous présente la guilde des marchands. Sacrée guilde, hein, putain. Voyons. J'avais fait un quartier. Il y avait un quartier en cours de développement. Ce petit quartier-là. Mais il n'y a pas du tout assez de travailleurs. J'ai du papier. Oui. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai du papier. J'ai la production de papier qui va me permettre d'augmenter ma production de cartes. Pour augmenter ma production de cartes, qui m'augmentera la production de papier. Non, je rigole. Mais à peine. Mais à peine. Alors, je vais juste voir, moi, si ça... Je peux les mettre à côté des maisons, j'ai l'impression. Oui. Moi, ça me prend même la même taille que la maison, quoi. Oui. Viens. Tu sais quoi? Règle de viabilité. Parce que le papier, ça reste quand même une... Une denrée consommant du bois qui est assez rare. Donc avec une petite carte de viabilité, là voilà. On va mettre une en viabilité, une en production et une autre en production. Hop. Fer, brique. Pierre, bois, ouais. Et je vais détruire ce bâtiment. Bon, on va attendre quand même qu'il ait fini. Hein. Regarde, il a rien d'avoir fini. Oh. Pas les brusquer, quoi. Hein. Hop, allez, passe. Ouais, quand même. Hein. Dans apiculteur, il y a happy. Donc ils sont joyeux. Oui, ça, motivation plus. Je sais pas si je peux... On va voir. Si j'y pense, si j'ai pas la flemme, je vous montrerai. C'est vrai que c'est sympa. J'ai pas assez de perron pour travailler sur le marché. Bon, et là. Ça commence à couper un peu, là. Bon, ça veut pas se charger de la pierre, mais ça a coupé du bois. Ah non, même pas. Hey, c'est que la cabane de bûcheron, hein. Allez, occupez-vous des cailloux, s'il vous plaît. Hey, je peux même pas aller récupérer ça, déjà, je suis dégoûté. Voilà. Je voulais voir, est-ce qu'il y avait des ours par là. Oh, il y a un truc qui passe. Déjà, des ours. Putain, il y a que des ours noirs. Je suis dégoûté, y a pas un seul ours brun. Y a plein d'ours et des ours noirs, mais pas des ours bruns. Putain. J'ai eu du flair en disant il y avait des ours dans le coin. Oui. Mais donnez-moi un ours brun, j'en veux pas 50, j'en veux un. Un seul. Bon. À défaut d'avoir des ours bruns, je vais aller piller les artefacts. Voilà. Oh putain, c'est cher. Ouh, c'est cher. Bon, j'ai pillé les artefacts que je vais pouvoir mettre, vous vous en doutez, au musée. C'est le pire, non? Hein? Et voilà, wow. Ouais, j'ai de la chance, prospérité. 50% de production de la caravane. Ça devient intéressant. Ouais. Je crois que j'ai déjà un bonus de prod de caravane, là. Ça va valoir le coup, je pense, de faire une deuxième caravane, hein, caravansérail.
Et ça, je vais les échanger, je vais le filer là à lui là, à mon pote là. Diplomatie, non, c'est pas ça. Présent. Voilà, je leur offre des cadeaux là. Ça n'a pas rapporté beaucoup, mais bon, disons que c'est toujours ça de prix quoi. J'ai mon quartier étranger. Putain, ils ont du bois à gogo, c'est dingue. Hein. Mais je crois que je ne peux toujours pas faire de. Attends, c'est où? De port étranger, ça c'est chiant. Oh! Oh! Bah non, il me demande du bois, mais. Oh. Augmente le gain de vin. Ah d'accord, ça me fait gagner de l'argent chaque tour, ça. Ah wesh. Bah, écoutez. Je vais pas dire non, hein. Bon, après, revenu d'argent. Pas non plus. Est-ce que j'ai un autre truc à faire, tiens? Autre? Chez l'ambassade? Quartier étranger, je regarde. Bon, industrie, agriculture, non. Bah, c'est toujours ça de frais, hein. Ça rapporte un peu d'or, c'est pas énorme, mais bon. Oui, les ours, s'il vous plaît, les ours, vous êtes pas dans le coin, là? Non, vraiment, il me faut un dernier ours, quoi, ouais, c'est presque chiant, hein. À chaque début d'épisode, c'est ça. Bon, pas dans les plaines. Allez, on va chercher vraiment à côté des montagnes. C'est l'hiver. Eh merde, c'est l'hiver. Là, il pourrait y en avoir, hein, frère. Il y a des villes, il y a des montagnes. Putain, contrôle F, ours brun, merde. Non, ça marche pas. Ah, c'est con ça. Waouh. Bah d'accord. Bon, tout ça, il n'y a pas. Merde. Hein? Et là. Non, sanglier, 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 sanglier dans la toundra. Ok, oui, très bien, très bien. Tu me diras, ça manque peut-être un peu d'arbres. Par là. Et des montagnes et des arbres, non? Putain. Moi, je dirais un truc par là, là. Il y a des arbres et il y a des. Des montagnes. Ici, non? Arbre et montagne. Non, 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 toujours pas. Purée. Par là alors. Même des joyaux là, les ours bling bling, ça n'existe pas. Ah merde. Ouais. Bon. Je sais pas quoi faire, hein. Il y a une belle montagne, pas mal d'arbres, mais il n'y a pas d'ours, hein. J'ai pas l'impression d'avoir un ours. Par là-bas, il y a quelques arbres là. Un malentendu, un bon malentendu comme on dit. Non, il n'y a rien. Hein. Purée! C'est dingue. J'ai vraiment aucun ours dans le coin. Là, il y a des ours noirs, je crois. D'ailleurs, même pas. Même pas. Même pas. Il y en avait, il n'y en a plus. Bon, je sais pas où ils sont. Après, tu me diras. Peut-être dans le coin, ils sont peut-être. Je suis pas du tout au bon endroit par rapport à tout à l'heure. Bon, là, je pense pas assez de montagnes. Voilà, ouais, ah oui, ça devait être dans le coin, ouais, voilà. Y'a pas un ours brun, s'il vous plaît, vraiment.
triste. C'est très triste. La recherche de petit ours brun, mais petit ours brun se planquer, petit ours brun se pendre en noir, j'ai l'impression. Il est roué dans le charbon, couillon. Ou dans autre chose, mais je veux pas savoir quoi. Rien. Bon. Une fois de plus, nous revenons bredouille. J'ai peut-être une idée. Attendez, j'ai peut-être une idée. Peut-être. Stop. Oui, j'accepte. Viabilité, j'en ai un peu besoin là. Je vais capturer deux ours. Deux black bear. Sont où les deuxièmes là? Ouais. Et je vais les relâcher à un autre endroit en espérant qu'ils changent un peu et qu'ils deviennent des brown bear. Voilà. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ce serait très rigolo qu'ils deviennent bruns. En changement de biome. Oh putain, ah oui, dans la montagne. Putain, la montagne, ça te gagne, toi, mais peut-être un peu trop, hein. Oh. Et regardez. Marqué comme filiale. Boum. Waouh, en compagnie, ah bon. Du coup, c'est devenu elle, la... Non, mais d'accord, hein, pas de soucis. C'était une offre d'exportation automatique. La brique, à la rigueur, non, c'est déjà le cas. Quoi? Ah oui, le cuir, oui, effectivement, là. Ouais, je peux en exporter 10 000 par tour. Ah, c'est bon, pas besoin de plus, hein. Ah ouais. À rigueur, un peu de bouffe à terme. Je vais au niveau des champs. Je vais augmenter la prod là des herbes. Les herbes médicinales que j'ai partout. Alors partout. En fait, je vais augmenter toutes mes prods de bouffe là, tous les champs, les quelques champs qui me restent. Ils sont encore à 10 000 et je vais voir ce que je vais pouvoir vendre. Par exemple, je produis combien là au niveau du moulin à vent là? Je produis, mais. Inventaire. Bon, ça, j'ai pas assez en entrant. Si? Ok. On va peut-être partir. Bah non! Ouais, si. On va partir sur plus de moulins, hein, si ça continue, parce que là. Ma question, c'est combien j'en produis, combien j'en consomme? J'aimerais bien savoir au niveau du. De la farine, elle est où la farine, ça, non. Ça, j'en produis beaucoup plus que ce que je consomme, ça j'en produis autant que ce que je consomme. Bon. Je vais peut-être devoir doubler le nombre de moulins. C'était pas prévu, mais... Il n'y a pas trop le choix. Hein. Oh, combo 3 en plus, impec. Ici, on va faire ça. D'ailleurs, au niveau du charbon, on n'est pas bon. Au niveau du charbon, on n'est pas bon du tout. Attends, j'avais pas lancé des black beer, moi, quelque part aussi. Hein. Ils ont changé. Non, ils sont pas devenus bruns. Moi, je ne sais pas quoi faire. Viabilité, oui, papier. C'est à ce niveau-là, je crois. Papeterie. Règle de viabilité, s'il vous plaît. Je ferai une deuxième papeterie, c'est pas très très grave. Hop, paf, paf.
Oh, ouais, si, allez. Quoique, non, non. Ça, c'est pareil, c'est de la viabilité. Là, je vais avoir assez de ressources en 30. Oh, si, sort 30. Oh, si, oh, ça a l'air bon, le papier. Bon, je fasse du PQ aussi, putain. PQ, ressources de luxe, quoi. On a tout vu. Puis je vais augmenter tout le reste. Hein. Ferme à champignons, etc. Ah, j'ai peut-être mettre de la viabilité sur la ferme à champignons. Non, effectivement, sur les fermes à champignons, je préfère la viabilité. Je vais vérifier que ça soit bon. Ouais, c'est cool. Fromager, on est correct, donc. Un asque. D'ailleurs, pour pas de cuir, voilà. Point. Oh oui, je peux augmenter la viabilité, la production. Oh que oui. J'ai combien en béton? 600. Pour augmenter les quelques bâtiments là. Par exemple, la production de fer. Ah oui, il y avait la production d'outils qui commençait à être limite par moment. Production outils. Bah, c'est où les outils? Voilà. Outils, on augmente. Production de fer, on est bien. Production de charbon, on augmente. Oh, ça a l'air correct, t'as l'air de passer. Hein. Autre commercial, carrément, ça arrive. Aucun. Ah merde. C'est con. Ah oui, non, mais c'est un nouveau. Lui il va sur Rouen, Babar, machin, là, Globerie, là, Globerie. On peut faire aller deux fois sur la route. J'ai pas d'autre route commerciale. Genre route commerciale, une, deux, tribu. Ah ouais! Nordois. Bon bah on va relier avec Nordois. On augmente les revenus. Bénéfice par voyage, 6 000. Rouen, on se met bien. Des terres exploitables par là. Cervelé, ouais, c'est bien, mais. Cervelé, hein, mais. Ce que je veux, c'est des ours. C'est un ours brun, là. Allez, on se reproduit, les gars. On devient brun. Est-ce que je peux? Alors, je pense pas, mais. Ah, dommage. Tanière. J'aurais bien pris une tanière d'ours brun, là. Déplacer, là. Hop, tac. Acheter, déplacer. Mais ça marche pas comme ça, hélas. T'es d'outils. Pourquoi j'ai moitié règle de viabilité, moitié motivation? Ok. Commerce, là j'ai un peu de thunes donc j'ai pas besoin de tant que ça. J'ai beaucoup de science. Électricité, bof. Rêverie. Savez quoi? On va tester quelque chose. Je prends une orfèvrerie. On est comment au niveau de l'employé? On est parfait. Ok, bon. On va tester quelque chose. Si je me trompe pas. Dans le coin là. Peut faire mine de joyaux. Je vais en mettre une. Je peux la faire où la mine de joyaux? Je peux la faire là? Préservation des ressources. Définir un quota à 10 000, mais bon. Il sera pas. Et je fais un entrepôt ici. Ça, on va le faire. Ouais, vous savez quoi? Pour le prix que ça coûte maintenant. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Donc on commence à extraire des pierres précieuses. Avec des bijoux à partir de joyaux et de lingots d'or. Et là.
Une bijouterie, définir, pareil, 10 000. Pas besoin de la brusquer pour l'instant au niveau de la construction, puisque je n'ai pas d'or. Par contre, ça va piquer, par contre, apporter. Apporter, lingot d'or. Oh, les lingots de fer qui sont plus chers que les lingots d'or, tu vois. Donc, tac. Voilà. On va apporter. Hop, et ce que je vais faire également, c'est que au niveau de ma production de briques, je vais la mettre à 100 000. Et ça me rapportera de l'argent régulièrement. Je pense que je peux faire pareil ou pas avec les poteries. Je consomme plus de poterie. Je sais pas si c'est normal ou pas ça, tiens. On va voir. Poterie, il y a le potier avancé aussi qu'il faudrait que je... Non, c'est bon. Les tulipes. Atelier de meubles, allez. Les meubles. Meubles avancés, ouais. L'apothicaire, pareil, on va passer à plus. Et on va voir... les citrouilles, oh! Oh, j'ai de la prod de citrouilles, ça fait plaisir. Fabricant de bougies. Ah ouais? On est arrivé à 10 000 bougies, la vache. On va travailler avec les bougies, hein. Améliorer 7 apiculteurs, cool. Ça, c'est juste pour la forme. Fabricant d'hydromel, ouais. Voilà. J'essaie de tout améliorer, de tout passer à 100 000 en stock. J'ai peut-être dû louper des choses, j'ai même je pense avoir loupé quelque chose. Hop, ici aussi. Ça me demandait beaucoup plus de travailleurs par contre. Ça va être le point un peu plus en se mettant. 10 000? Non, 100 000 au niveau des briques. Champignons, pareil. Ah bah dis donc, décidément, ça n'a pas voulu. Oh, maltage, ah ouais, j'ai oublié ça. Champignon magique, point de cuir, ah oui j'ai... Ah, les vêtements, oui, aussi. Ok, tout ça c'est pas mal, hein. Hôtel. Fromager. Fromager je peux mettre à 100 000, mais j'aurais pas assez de production, de toute façon. Ok. Verrerie avancée. Bon, on va passer à 100. Passer à 100. On va passer à 100. Ça, on va passer à 100. Et ça, on va passer à 100. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Oui, non mais... C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. On va augmenter tout, tac, 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 tac. J'ai plus assez de béton, c'est pas très grave. Donc j'ai assez du reste. Heureusement que j'ai des citrouilles, hein, et de la myrtille. Et du pain. Parce que niveau bouffe, je suis clairement plus bon en viande. Hein. Voilà, je vais laisser tourner un peu et tout ce que je verrai à plus de 10 000, je repasse en... Je passe en vente automatique. Ça pique contre l'entretien de tout ça. Hein. Ça doit être l'achat des lingots d'or là qui a piqué un coup. Je vais forcer de la vente sur ce que j'ai un peu trop. Bah comme le blé par exemple. Les... Tu vends si t'as plus de 10 000. Bah là il va vendre, hein. Là je peux te dire que là ça va vendre. Et par contre les fabricants de cartes ils fabriquent plus de cartes. Et ça j'aime pas trop.
non, 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 ils veulent plus, ils veulent plus. Bon, j'ai augmenté le budget, peut-être qu'ils viendront travailler, mais... Non, ils en ont rien à secouer. Après, je suppose qu'ils ont été appelés à d'autres choses, là, avec ce que je viens de faire, les modifs. Ouais. Ça m'a fait une grosse demande d'employés, ouais. Briqueterie avancée, je dois avoir ça quelque part encore. Je me souviens l'avoir perdu. Je me souviens l'avoir totalement perdu. Non, ma question c'est, est-ce que j'en ai déjà posé une? D'être ça la première question à poser. Bon, c'est pas grave, je vais faire un potier avancé. Je sais que j'en ai un là. Par contre, où est-ce que je vais le foutre, quoi? C'est toujours pareil. J'ai des fermes à champignons, j'ai pas une... J'ai une ferme à champignons avancée, hein? Oui. Consomme moins d'entrée en plus, beaucoup moins d'entrée, bon. Ah! Ouais, mais merde. Ça c'est quoi? Ça va faire ma champignon classique? Ah ouais? J'ai encore deux là? Faire ma champignon avancé. Construction rapide. En plus, j'ai un combo là d'utilisation, donc ça c'est bien. Faire avancer champignon magique, si je mets là. Là, ça me dit non, je suis trop proche de l'habitation. Merde. C'est con ça. C'est très con. Faudrait que je puisse déplacer quelque chose, mais même ça, genre par exemple même les tailleurs, j'en sais rien. Non, les tailleurs, ils veulent pas être trop proches des habitations. La brasserie de bière, les gars, les brasseries de bière. Et la brasserie de bière avancée. Vous n'allez pas me dire, oh putain, à côté de la brasserie de bière, vous allez être... J'ai attiré des fermes de champignons. Oui, mais là, je l'ai remise en construction. 6 fermes de champignons. Je vais devoir décaler la zone de prod, je pense. Par exemple, par là. Je vais devoir décaler toute cette zone de prod. Ouais, pas trop choix, hein. Pas trop trop le choix là. Combien je vais mettre? Je vais mettre deux fermes de champignons avancées là. C'est quoi, je les colle bien? Non, non, je les colle pas. Au cas où j'ai besoin de sable par là. Ici, ce sera très bien. Hein? Faudrait un grand entrepôt. Un grand entrepôt. Comme ça. Putain, j'ai pas aligné comme il fallait. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Vous en faites pas. Ah, oui. Comme ça. Comme ça. Un grand entrepôt. On le refait. Ils sont trop éloignés, oui, je comprends. Comme ça, là, on est en lien avec la route. Je vais refaire des pioles. Ah, comme ça, en vrai. Alors, je vais juste reculer deux. Au cas où j'ai des bâtiments qui me demandent plus de taille. Et 3, oh putain, tout pile, et c'est parfait là. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Je crois que je vais devoir me donner un coup de main à la construction par contre. Hein. Ouais, non, mais c'est déjà bien là d'avoir construit les maisons.
Mais j'ai plein de gens qui sont venus d'un coup là. Ok. Un champignon avancé. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un peu de viabilité, s'il vous plaît. Ça, je m'en fous. J'ai des règles de viabilité. Je crois que c'était pour le papier ou un truc comme ça. Voilà. Ça, ça consommera beaucoup moins de papier là. Et donc de bois. Prendre plus de péons. On améliore les techniques industrielles. Là, ok. Là, bon, bah, ça va se faire petit à petit. J'ai mis. On va mettre 100 000, mais on sait très bien que ça va pas le faire. Allez, un tout nouveau quartier là, magnifique. Ça se construit, ça se construit. Putain, ils sont tous partis travailler là-bas, quoi. C'était pas prévu, par contre. Là, c'était pas prévu du tout. Hop. Hop là, accélérons tout ça. C'est déjà complet. Déjà complet. Petite question. Là, je crois que oui, mais... Oui, ça fonctionne bien. Ça, là. Le bureau de l'immigration fonctionne très bien. Est-ce que je peux en placer d'autres? On va avoir besoin de plein là. Ah oui. Ah, priorise la construction les mecs. Hein. Un petit quand même. Ouais, j'ai besoin de plein d'immigration. Hein. Au niveau. Et bah tu vas continuer. Au niveau de la bouffe, oh. C'est bon. Un bijoutier qui est toujours en construction, lui pépère. Pénard, là ça bouge pas. Ah oui c'est ça, manufacture aussi, que je vais peut-être faire. Ah. Ah ouais, j'ai eu tant de dépenses que ça. Ça doit être qu'à cause de mon quartier marchand ça. Qui est là. Là je m'y paume. Entretien 50. Ah oui. On a reçu un retour sur investissement. Oh bah tant mieux. Car votre capital est négatif. Ah. Bah, c'est con ça. On va vendre de la bière. Et ouais les mecs, si on en est venu à vendre de la bière quoi. Oh des remèdes. C'est mieux. On est repassé en positif. Pas grand chose, mais on est en positif. Oh, on a de l'entrée et d'argent, mais. On a une dépense de fou quoi. J'ai pas envie d'augmenter les impôts. Pas se faire chier. Là, on récolte bien. Ah oui, je voulais faire un truc de manu. De manu, rien du tout. C'est moi qui disais, qui me vantais en début de partie. Ouais, non, mais l'argent, trop facile d'en se faire sur ce jeu. Oui. Job, hein, la prochaine fois, tu parleras après avoir réfléchi plusieurs fois. Au niveau du blé... Oh mais merde, putain, le capital est encore négatif. Ça n'a pas joué à grand chose, mais...
Peut-être le temps que ça rééquilibre, je vais attendre quelques tours. Hein. Ouais, je vais faire les briqueteries aussi. Ouais, les briqueteries avancées, ça terminera là-bas. Hein. Potier avancé, la briqueterie avancée, là, potier. Là. Je vais faire deux poteries avancées, là. Pour le temps qu'il se fasse, ça se fabrique. Plus large! Briqueterie avancée, briqueterie avancée, voilà. Voilà. Ah, super de taux. On va. Ah bon? Wow, première maison niveau 7. Dis donc. Bah, j'ai pas pu voir le récap de fin d'année, dommage. Mais on va se laisser la peau aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine, c'était Tiob.